Bonjour les petits amis et bienvenue sur la chaîne des Super Jouets. Aujourd'hui, nous allons découvrir ce que renferme ce joli coffret. Regardons de plus près. Il s'agit visiblement de la Patte Patrouille et je peux déjà reconnaître Everest et son ami. La boîte est plutôt simple. Elle est rose sur le bas et bleue sur le haut. Il y a ici un petit fermoir. Nous allons donc l'ouvrir dès maintenant pour voir ce que contient ce petit trésor. Ah, j'y vois déjà quelques personnages. Nous allons donc les prendre dès maintenant et voir de qui il s'agit. Le premier... Il s'agit en fait de Ruben, qui adore faire des constructions. Les chantiers n'ont pas de secret pour lui. Nous allons le poser juste ici, à côté de la boîte, pour qu'on puisse bien le voir. À présent, oh, je crois qu'il s'agit d'un petit dalmatien, et si je ne me trompe pas, c'est Marcus le pompier. Il est toujours partant pour éteindre les incendies. Nous allons le mettre cette fois-ci sur la droite. Nous allons prendre un autre personnage. Alors, il s'agit cette fois de Zuma. Je crois que Zuma est déjà prête à plonger. Elle a mis son petit masque qui est reliée aux bouteilles qui lui permettent de respirer sous l'eau. Elle est très jolie, cette petite figurine. Nous allons la mettre juste là, sur le côté, comme ça nous la voyons bien. À présent, nous allons voir qui est encore dans la boîte. Oh, mais je crois qu'il s'agit de Rocky. On le reconnaît grâce à sa tenue verte. Eh bien, Rocky est spécialisé dans le recyclage. Il sait exactement où vont chaque objet lorsqu'il faut les jeter. Il est vraiment très mignon. Nous allons le mettre à côté de Marcus, juste là. À présent... Oh, mais qui vois-je ? Elle a des ailes comme un avion. Et elle a mis ses petites lunettes pour ne pas avoir mal aux yeux. Il s'agit bien sûr, vous l'avez reconnu, de Stella. Elle adore voler dans les airs. Regardez ses petites oreilles, elles sont face au vent. C'est pour ça qu'elles sont en arrière. Vraiment super. Je crois qu'il ne reste plus qu'un seul personnage dans la boîte. Et nous allons découvrir de qui il s'agit. Je crois qu'on le voit déjà d'ici. Voyons voir ça. Eh bien oui, c'est l'un des personnages les plus importants de la Patte Patrouille. Il aide beaucoup Ryder et on l'apprécie tous. Il s'agit bien sûr de Chase, le policier. Lui aussi est très joli, il a vraiment un beau sourire. Je crois que toute la bande est désormais complète. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu et qu'on vous a présenté dans son intégralité l'équipe des Pattes Patrouilles. À bientôt pour d'autres vidéos.